Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apporter une leçon de conjugaison. Nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait. Tout d'abord, on va faire un tout petit rappel. L'imparfait, c'est un temps du passé. Je l'utilise pour exprimer des actions qui sont déjà passées. Pour conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait, on ajoute au radical des terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN. Donc, si vous apprenez par cœur ces terminaisons, vous allez savoir conjuguer. Par exemple, le verbe laver. Alors, laver, voilà l'infinitif du verbe. Laver, voilà l'infinitif du verbe. C'est un verbe du premier groupe. Regardez, je supprime ER, je garde le radical, lave, c'est le radical, je lavais, par exemple, tu chantais, c'est le verbe chanter, d'accord? C'est le verbe chanter, il chassait, c'est le verbe chasser, alors regardez, je supprime ER et j'écris AIT, il chassait. Nous dansions, c'est le verbe danser. Vous avanciez, c'est le verbe avancer. Il mangeait, c'est le verbe manger. Mais regardez ici, j'ai rajouté E. J'ai rajouté E pour obtenir le son je. Les verbes en IE, comme crier et plier, prennent deux I à la première et à la deuxième personne du pluriel, à l'imparfait. Par exemple, crier, alors regardez crier. Crier, c'est un verbe du premier groupe. Si je veux le conjuguer, regardez, je supprime ER et j'écris IONS. Mais je garde le premier I. Regardez, I, cri, et je rajoute IONS. Donc, il y a deux I. Vous pliez, c'est le verbe plier. Pourquoi? Parce que si j'écris un I, c'est le présent de l'indicatif. Vous pliez. Alors, regardez, je garde pli, le radical. Je supprime ER et j'écris EEZ. C'est pareil pour le verbe skier. Skier se termine avec IER. Donc, quand je le conjugue, nous skions. Nous skions. Regardez S, K, I. Alors, voilà le radical. Et je rajoute IONS. Ce qui veut dire deux I. D'accord? Nous allons maintenant aborder les activités du fichier élève. Dans cette première activité, j'entoure les verbes conjugués à l'imparfait. Et comment on fait pour les repérer? Bien sûr, nous allons identifier la terminaison. J'écoutais, c'est un verbe à l'imparfait. Je l'entoure. Regardez la terminaison AIS. Nous racontons, non, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Il paraît, c'est le verbe paraître. Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Parce que l'imparfait du verbe paraître, c'est « il paraissait ». Alors ici, même s'il y a « AIT », ce n'est pas l'imparfait. Manger aussi, c'est un verbe qui est conjugué. Regardez « EZ ». Manger, c'est un verbe qui est à l'impératif. Ce n'est pas un verbe à l'imparfait. Vous lanciez, regardez ici « IEZ ». Donc, j'entoure. Elle se promènera. Je pense que vous avez retrouver ici l'infinitif plus A, le futur simple, donc ce n'est pas l'imparfait. Il chantait, oui, c'est un verbe à l'imparfait, A-I-E-N-T. Je travaillerai, regardez ici, nous avons A-I, mais c'est le futur simple, je n'entoure pas. Nous avancions, ici, oui, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Elle plaçait, regardez ici, c'est dit A-I-E-N-T. C'est un verbe conjugué à l'imparfait, c'est le verbe placé. Tu as aimé, c'est le passé composé. Tu connais, c'est le verbe connaître au présent de l'indicatif. Tu connaissais, c'est l'imparfait. Donc, je n'entoure pas. Il balayait, oui, c'est un verbe à l'imparfait. Il mangera, non, c'est un verbe au futur simple. Nous demandions, regardez, I-O-N-S. Donc, j'entoure et tu appellerais. C'est un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Ces temps, vous les apprendrez prochainement.
Mais ne vous trompez pas sur paraît et sur connaît. Même si la terminaison AIT-AIS, ce n'est pas l'imparfait. Dans la deuxième activité, j'écris le pronom qui manque. Alors, tremblions, nous. Bien sûr, nous. Toussez, alors, je toussais, ou bien, on a le choix ici, je ou bien tu toussais. Arrangeais, ici, alors ici, j'arrangeais ou bien tu, j'arrangeais ou bien tu arrangeais. Ressemblait, alors il ou bien elle ressemblait. Remercier, regardez ici, nous avons deux i. S'il n'y avait qu'un i, ce serait le présent. Donc, c'est l'imparfait ici, vous. Essuyons, nous essuyons. Voyez, alors voyez, il ou bien elle, au pluriel bien sûr, voyez A-I-N-T, et l'on sait, il au singulier ou bien elle au singulier. On peut rajouter aussi au N, le en, en pronom personnel indéfini. Et nous crions ici, bien sûr, nous crions I-O-N-S. Dans la troisième activité, remplace « je » par « nous ». Remplace « je » par « nous » et « tu » par « vous ». « Il » au singulier par « il » au pluriel et je conjugue les verbes. Alors, « je rangeais », je le remplace par « nous ». Cela va nous donner « nous rangions ». Alors ici, on va écrire, bon, ils n'ont pas laissé assez de place, nous rangeons. Ce serait préférable de faire l'exercice dans le cahier. Alors ici, je payais, nous payons. Alors regardez, payons, Y-I-O-N-S, Y-I-O-N-S, nous payons. Je remerciais, nous remercions, regardez, remercions, deux i. Regardez, le premier i du radical, le deuxième c'est la terminaison. Tu rinçais, nous rincions, nous rincions. Alors ici on va effacer, pourquoi? Parce que nous avons tu. Et on a dit que tu, on doit le changer avec vous. Alors tu par vous, ça nous donne vous rinciez. I-E-Z. Tu pardonnais, cela va nous donner vous pardonniez. Pardonniez. I-E-Z. Alors ici, nous avons tu rencontrais, vous rencontriez. Rencontriez. Il rentrait, on le remplace avec il au pluriel. Il. Alors on remplace A-I-T par A-I-E-N-T. Il rentrait. A-I-E-N-T. Il lançait, ça nous donne. Il lançait, au lieu de A-I-T, j'écris A-I-E-N-T. N'oubliez pas le CCD, d'accord? Tous les verbes en C prennent un CCD. Il chassait, il chassait, A-I-E-N-T. Dans la quatrième activité, je mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, placez vous, regardez. Placiez votre argent à la banque. Alors ici, nous avons les enfants avancés lentement. Alors j'écris avancer. Le sujet est au pluriel. Donc, CCD, A-I-E-N-T.
écouter les enfants avancer lentement. Alors, tous les verbes en C, lorsqu'il y a devant A, je dois mettre CCD. Ils avançaient lentement, je rangeais. Regardez même les verbes en G. Alors, les verbes en C, je mets CCD. Les verbes en G, je mets E devant A. Je rangeais. E, A, I, S. N'oubliez pas le E. Ma sœur invitait. Bien sûr, ma sœur, je peux le remplacer par elle. Cela me donne A, I, T. Nous nous essuyons. Alors, regardez. E, suis, Y, I, O, N, S. Y, I, O, N, S. Mon père changeait de costume. Mon père changeait. Alors, regardez, c'est un verbe en G. Donc, j'écris E, A, I, T. Vous pliez. Regardez, c'est un verbe en I, E, R. Donc, deux I, E, Z. Vous pliez les vêtements. Le verbe qu'on pliait, skier, on les a vus dans la règle. D'accord? Dans la cinquième activité, je souligne dans le texte les verbes du premier groupe conjugués à l'imparfait. Jadis, alors jadis, exprime, c'est un indicateur de temps qui exprime le passé. Jadis, cela veut dire il y a longtemps. Jadis, au temps où les hommes et les bêtes parlaient, regardez, premier verbe, le même langage, vivait, regardez le verbe vivre, un jeune homme qui aimait, le verbe aimer. Bien s'approcher des oiseaux. En ces temps anciens, les oiseaux n'avaient, c'est le verbe avoir, aucune couleur. Ils étaient, c'est le verbe être, tout blanc. Le garçon voulait leur parler. Alors, on a souligné les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Dans l'exercice numéro 6, je dois réécrire le texte à l'imparfait. Alors, pour l'écrire d'abord, je dois identifier où sont les verbes. Elle dessine. Premier verbe. Une tourterelle dans le ciel. Puis, l'efface. Deuxième verbe. Elle ne garde que le bleu du ciel qu'elle aime. Voilà l'autre verbe. Elle dessine. Voilà l'autre verbe. Aussi, un arbre aux feuilles solides. Elle n'oublie pas. Le verbe, oublier, pas de mettre un gros soleil jaune pour se réchauffer. Autour du paysage, elle colle, le verbe coller, puis elle s'allonge. Alors, nous avons les verbes dessine, efface, garde, aime, oublie, colle et s'allonge. Alors, moi, vous allez les écrire, bien sûr, dans le cahier. Moi, je vais simplement vous conjuguer les verbes, d'accord? Alors, elle dessine. Bien sûr, elle dessinait. Elle dessinait. Le ciel, puis l'efface, l'effaçait. N'oubliez pas, CCD, AIT, l'effaçait. Elle ne gardait, gardait AIT, elle ne gardait que le bleu du ciel qu'elle aimait. Alors, aimait, a été, qu'elle aimait. Alors, on a écrit dessiner, oui, qu'elle aimait. Elle n'oublie pas, elle dessinait aussi, qu'elle aimait. Donc, elle dessinait. Une deuxième fois, nous avons, elle dessinait. Nous avons une deuxième fois le même verbe. Elle dessinait et elle n'oublie. Elle n'oubliait. Elle n'oubliait pas, a été, bien sûr. Elle n'oubliait pas de mettre un gros soleil jaune pour se réchauffer. Autour du paysage, elle collait. Elle collait. A été, des coquillages, puis elle s'allongeait. Elle s'allongeait. Bien sûr, les verbes en G, on n'oublie pas le E. Elle s'allongeait. Cette leçon touche à sa fin.
Je vous souhaite bon courage.